J'espère que tu recevras ma dernière bande à temps. Je prends de plus en plus de plaisir à enregistrer ces messages et à te les envoyer. Anna dit que je dois sortir le nez de mes livres et de mes articles de temps en temps. Ne serait-ce que pour me rappeler pourquoi je fais tout ça. Pour qui, surtout? Je sais que tu détestes... Vous avez terminé? Les antennes relais sont neutralisées. C'est fait. Bien. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça.
Vieux camp de travail soviétique. Les Trinitaires en ont pris le contrôle. Hé, les Piquet devait s'occuper de ce boulot. Moi aussi. Mais on raconte qu'il est parti en mission avec Constantin aussi. J'ai des potes qui m'ont pistonné. Ne déconne pas. On trouvera pas de meilleur salaire. Mais ils tolèrent aucun écart. T'as vu les cadavres pendus dans les mines? Avec des uniformes soviétiques, ouais. Franchement, je comprends pourquoi les natifs veulent rester ici. Ouais, on a connu tout ce territoire glacé, cet endroit est paradisiaque. On attaque. On est de la compagnie. J'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types, ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi. Si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent, ou qu'ils nous voient ensemble, je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Encore de la propagande soviétique. Je sais que j'ai déjà accepté des... Natifs nous donnent du fil à retordre. Nos transmissions ont été HS, mais on a fini par reprendre les choses en main. Si la situation échappe à votre contrôle, alors nous interviendrons. Inutile. Je n'ai pas été envoyé là par hasard. J'ai été choisi pour ça. Je vais réussir. Je vais m'en assurer. Alors ? Lara, est-ce que ça va? Oh, j'ai eu peur. Oh.
qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai peur. Je suis désolée, Anna. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait à toi. Tout est de ma faute. Mais qui sont ces types? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils sont après la même chose que papa. Oh non, Lara! Je t'avais dit de ne pas t'engager là-dedans! Donne-leur ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles! C'est plus compliqué que ça. Accroche-toi. Je vais nous sortir de là. On va y arriver. Comme ça. Elle ne sait rien. Toi? Non. Tu es avec eux? Comment c'est possible? Espèce de... Tu ne pouvais pas laisser tomber. Je te connais. Je savais que tu finirais par nous conduire à cet endroit. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous pouvons trouver un accord. Nous cherchons la même chose. Tu pourrais nous être utile. Tu as besoin d'avoir un but dans la vie. Nous pouvons t'en donner un. Non mais tu te fiches de moi? J'ai pu voir comment agissent les Trinitaires. Est-ce que c'est un nom? C'est un va te faire maître! Je suis curieuse, Anna. Tu as été recrutée par les Trinitaires avant ou après avoir commencé à coucher avec mon père? J'aimais Richard, tu le sais. Mais il était aveuglé par son idéalisme. Et ça l'a détruit. Qu'est-ce que tu veux faire de cet artefact? L'exhiber aux yeux du monde? Redorer le blason de la famille. Tu es tellement naïve. Tu n'es qu'une petite fillette apeurée qui essaie de marcher sur les traces de son père. On n'en tirera rien. Non. Pas tout de suite. Toi et moi... On peut encore arriver à trouver un terrain d'entente. Réfléchis bien, Lara. Terminé. Enfoiré! Peut-être qu'il n'a jamais connu que ça. Je me croyais seule ici. Moi aussi, mais ce n'est pas le cas. Comment s'appelle ma nouvelle compagne d'infortune? Vous fatiguez pas, je compte pas rester. Constantin est très impatient. Je le suis aussi. Je vois ça. Joli tour. Vous pouvez nous faire sortir? Il n'y a pas de nous.
Je ne sais même pas qui vous êtes et ni pourquoi vous êtes là. Désolée. Je suis en pleine crise de confiance en ce moment. Vous n'irez pas très loin sans moi. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Et qu'est-ce que vous comptez faire avec ça ? Quand je le saurai, je vous le dirai. Ils ont sûrement entendu. Raison de plus pour ficher le camp plus vite. Vous voyez une sortie ? Non, mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Doucement. Il ne faut pas qu'on attire leur attention. Ça a marché. Vous pouvez sortir ? Attendez ! Faites-moi sortir. Je peux vous aider. Pourquoi je vous ferai confiance ? Nous ne sommes pas des ennemis. C'est une évidence. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Ils devraient pas tarder à arriver. Vous savez où est la sortie ? Oui. J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. Depuis quand vous étiez enfermé ? Depuis assez longtemps, pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. J'ai enfin dévoilé mon jeu. Et une fois là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Poste de commandement 2, dernier hélicoptère en partance. Bien reçu. La dernière cargaison. Signal des problèmes au centre de transmission. Encore des natifs ? Négatif. On a chopé un feu armé venant de l'extérieur. Calme. Ça a quitté le bord. Je
Attendez-la. Je vais m'occuper de ça. Attends, deux secondes. J'y suis presque. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Anna a laissé tomber son masque. Jacob, j'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dirigez-vous vers la cour, je suis déjà là. Faut que j'arrive à entrer. Quelques tireurs d'élite et quelques éclaireurs. Fais-le. On a beaucoup de terrain à couvrir. Et les Trinitaires veulent qu'on leur rapporte l'artefact dès que possible. On n'arrive à rien. Jacob, qu'est-ce qu'il fait ? Cette couverture nuageuse, c'est bien là. Je le sais. Les merde. Fais gaffe, Lara. Mais je veux aller examiner ces ruines par moi-même. Et pour Kraft ? Pour l'instant, on la laisse.
J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles, la mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin, ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi? Tu sais ce que j'ai donné au Trinitaire? Ce que j'ai sacrifié? Ce que je traverse? Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine. Avec la source divine, tu seras sauvé. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour, et la vie éternelle leur sera donnée. Partez devant, je vous retrouverai! Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher! Il faut qu'on trouve où ils se cachent. Tu calmes. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher. La gare de triage se trouve au nord de ce boulag. Je vous attendrai là-bas. Je me mets en route. L'écusson militaire des soldats de l'ordre. Il faut que j'arrive à sortir ce cap de l'eau. Voilà. Thank you.
Lara, faites attention. Ils sont partout. Ils vont vous barrer la route. Le voilà! Descendez-le! Oh non! Merde! Pour la première fois depuis des semaines, les choses semblent claires. Je sais que cet endroit cache un secret. Les Soviétiques ont essayé de le découvrir aussi. Et maintenant, les Trinitaires. Et Anna. Anna, bon sang. Je n'arrive pas à y croire. Pendant tout ce temps. Est-ce qu'elle espionnait papa aussi ? Jacob, je suis plus très loin de la gare de triage. Vous êtes arrivé ? Vous en avez mis du temps. J'ai bien cru vous perdre là-bas. Ça ne risque pas. Merci de m'avoir aidé à sortir. Dépêchons-nous ! On peut sortir par là !
Papa ? Vous auriez pu me laisser dans cette rivière. Vous m'y auriez laissé ? Ça m'aurait traversé l'esprit. Vous croyez que je n'y ai pas pensé ? Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à prendre autant de risques ? La source divine. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Je veux savoir pourquoi. Quand j'étais enfant, il n'y avait que mon père et moi. Il était archéologue, lui aussi. Les années qui ont précédé sa mort, il était comme obsédé par les mythes autour de l'immortalité. Évidemment, personne ne le croyait. Même pas moi. La dernière fois que je lui ai parlé, on s'est disputé. Il a décidé de se suicider. Je ne croyais plus jamais entendre parler de ça, mais... Quelque chose s'est produit. J'ai été témoin d'une chose. Contraire à tout ce que je croyais jusque-là, ça a vraiment tout bouleversé. J'ai réalisé que mon père avait raison sur tout. Il est mort tout seul. Il était brisé. Mais au moins, il est mort pour une cause. Vous pensez donc que la source divine existe ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais s'il y avait... ne serait-ce qu'une once de vérité, je dois le savoir. Il faut que la question soit étudiée et approfondie. La vie telle qu'on la connaît serait remise en question. On ne peut pas garder ça secret. Une remise en question n'est pas toujours bénéfique. Voudriez-vous que les Trinitaires détiennent le secret de l'immortalité ? Bien sûr que non. Dans ce cas, je vous demanderai non pas d'abandonner votre quête, mais d'en détourner la trajectoire. Rejoignez-nous, mon peuple et moi. Aidez-nous à repousser Constantin et les Trinitaires. Et une fois que ce sera fait ? Vous laisserez notre vallée en l'état. En sachant que vous aurez fait ce qu'il fallait. Non. Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Ne peut pas ? Ou ne veut pas ? Je combattrai les Trinitaires à vos côtés, mais je dois découvrir la vérité. Si j'abandonne maintenant... C'est comme si c'était lui que vous abandonniez. Pas seulement lui. Il faut que j'aie des réponses, Jacob. Je veux le fin mot de cette histoire. Vous partez ? Je suis très inquiet pour mon village. Il est à un jour de marche. De l'autre côté de la montagne. Il y a un raccourci par la vieille mine de cuivre. Vous, reposez-vous. Je reviendrai vite. Jacob, vous êtes là ? C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ? À nouveau seul. Jacob est parti devant. Il y a quelque chose chez lui qui m'échappe. C'est à la fois bizarre et presque rassurant. J'ai l'impression que je pourrais lui dire n'importe quoi et qu'il ne broncherait pas.
Je ne ressens aucun jugement de sa part, et en même temps, je n'arrive pas à lire en lui. Mon instinct me dit que c'est quelqu'un de bien. Il m'a sauvé la vie.